Le jugement rapide des gens brise la moelle osseuse. Il paralyse et prive de toute force pour se tenir debout. En grandissant, la chose que je détestais, dont je n'ai pas envie d'en parler, que je n'ai pas envie d'entendre, est devenue ma source de survie. La vie est injuste et cruelle. Nous devons la traiter comme telle. Chaque cœur a ses chagrins secrets que le monde ne connaît pas. Et souvent, nous jugeons qu'un homme est froid alors qu'il est tout simplement triste. Tu vois là-bas nos frères, nos cousins, nos amis. Pourtant tu veux partir comme tu peux voir. La vie est simple ici. Mais où est-ce que tu vas, monsieur? À vouloir tout gagner, on perd tout ce qu'on a de plus cher, monsieur. Mais tu comprends pas. Et où est-ce que tu vas, madame? Reste, madame, dis-moi ce que tu ressens quand tu vois tous ces gens se quitter. Madame, reviens, madame, reviens. Danse pour Afrique. Oh, danse pour Afrique. Danse pour Africa. I love Africa. I love Africa. Danse pour Africa. Danse pour Africa. Salut beauté. Tu es superbe. You got some nice cookies. Parfait, c'est parfait. Combien pour la nuit? Court ou long? N'importe. 20 pour court, 30 pour toute la nuit. Je te donne 10, juste pour un moment. 15. 12, c'est mon top. C'est à prendre ou à laisser. Ok. Hi. Ceci. La maman t'a donné le super bonbon, ce que je vois. Parce qu'il paraît qu'ils veulent tous goûter à ton bonbon. C'est ça. Cash, 12 pour chacun. Who said I got problem with money? Allez, monte. Qu'est-ce que vous complotez contre moi? Fais comme si t'avais rien. C'est ça. Tu veux pas essayer? Un jour tu pourras courir la gorge, la mettrai au cou.
le reste quand on aura vu. Derrière ton dos, Milano, Sipé, Juliette, Roméo. Derrière ton dos, Waka Kamaroun, Kwanyeng, Bakbo. Oh les Janam, Jado Kabe. 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 Vous voulez juger, condamner, discriminer. C'est ce en quoi nous sommes tous bons. Nous savons qui est juste et qui ne l'est pas. Qui ira au paradis et qui ira en enfer. Nous connaissons le préféré de Dieu et celui du diable. Mais, avez-vous pris une minute de votre vie essayant de connaître vos imperfections et vos perfections? Ma fille, la parole de Dieu déclare, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Tu as résolu dans ton cœur de donner sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu le comble de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à ses besoins et qu'il soit en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Ma fille, va, tu es bénie. Afrique Moussa, Omoudjessimo, et moi Djihozo, Afrique. Miléo, l'injustice comme professeur crée le vide dans mon cœur. Tu me juges trop vite avant l'heure. Dans toute histoire, il y a une histoire. Dans chaque situation, il y a une solution. Les chemins de la vie sont invisibles à l'homme jusqu'à ce que vous en goûtez le fruit. Il y a une seule vie. Et il y a deux voies de survie. Vous la risquez ou vous vous en moquez. Richard! Mimi, tu me prends quoi au juste? Je t'ai dit que toi t'as chez moi. Prends ta clique et quand tu t'en vas de chez moi, je ne veux plus de toi. Et nos enfants? Pardon? Tu me dis tes enfants? Je t'ai dit que je n'étais pas prêt. Tu m'y es forcé. D'ailleurs. Richard! Elle, c'est Miranda. C'est elle que je vais épouser. Oh, Richard! Oh, au secours, Richard! Vous devez me passer sur le corps dans ce cas. Ima va d'agmatugo va rechina ouima. Je t'en voulais à l'abunyem. Il est bon, ma fille. Le kemilawa, ou de via me vie. Le kemilawa, le fifi. Le kemilawa, fifi. On le bonnade, non, de tout, nan aussi. Le bagne, ma ocha. Il y a toujours une genèse pour qu'on parle de révélation. Tête haute, ne perdant jamais espoir. Plus je me pose des questions sur la vie, et plus elle devient un mystère. Jeune fille sans éducation et sans aucun savoir-faire en commerce. Je dois faire ceci pour prendre soin de moi, de mes deux enfants et une mère aveugle. Faire ceci nous soutiendrait-il? Et pour combien de temps?
Il m'avait employé comme son assistant personnel. Avait promis de rendre ma vie meilleure et d'aider ma famille, sans savoir que son plan était de me transformer en son jouet sexuel. Je devais satisfaire ses désirs sexuels à chaque instant et même maintenant. Je suis sa source de joie. Mais pour moi, qu'est-ce qu'il était? Un calvaire. Il ne le savait pas. Pourtant, il était mon seul aide. Donc, c'est ce que vous faites d'abord. S'il te plaît. C'est ce qui se passe quand on sort avec un homme marié. Peut-être que la mort n'était pas prête à m'accueillir. Je pense que maintenant je me sens plus mal que la mort. Chose. Mimi, j'ai compris, relève-toi. Je vais t'aider. Tu sais, on se connaît il y a très longtemps. Mais je ne peux rien faire sans contrepartie. Je pourrais te donner tout ce que tu veux à chaque fois. Mais de la même façon, tu devras être dans mon lit. Aussi longtemps que j'aurai envie de toi. Quoi? Mais, Kao, je pensais que tu te maries ce samedi. Mon mariage n'engage que moi. Ce n'est pas ton problème. Tu as besoin de mon aide ou pas? Je préfère mourir si c'est à cette seule condition que tu pourras me donner ce que je te demande. Et moi qui croyais qu'on était de bons amis. J'ai finalement compris qu'il n'y a rien de gratuit. Quelquefois, vous êtes obligé de donner ce que vous avez pour avoir ce que vous voulez. Voilà ce que c'est. Gagner ou perdre. Nos peines, nos gains. Pas de risque, pas de récompense. Martha m'a finalement amené à m'ajouter à cette chaîne.
Nous nous en foutons de qui nous voit, femme ou homme, parent ou ami. Se faire plus et plein d'argent, c'est l'essentiel. C'est à ce mode de vie que je me suis finalement adaptée. Je me fais un peu plus d'argent pour prendre soin de ma mère et de mes deux gosses que j'ai réussi à réinscrire à une nouvelle école. Je m'en fais aussi assez d'argent pour prendre soin de moi, ne serait-ce que l'essentiel dont j'ai besoin. Tant que la famille va bien, pour moi, la vie commence par avoir un bon goût. Afik Moussa, Omoudjessimo, et moi, Djihozo, Afik Mileyo. À partir du moment où je pensais réussir ma vie et tout avoir, ce moment où je me voyais sourire à la vie, je ne voyais pas ma fin venir. Goûter au côté facile de la vie, me conduisant à la destruction, peine et agonie. Priant jour et nuit pour changer le cours des choses, comme si l'aiguille du monde peut tourner dans le sens contraire. Voilà mon histoire. Toute chose qui a un début a une fin. Ne permettez pas que quoi que ce soit compromette votre façon de vivre. Je suis atteinte du cancer du col de l'utérus, selon le médecin. Pour chaque mode de vie adopté, il y a toujours un prix à payer. Si seulement j'avais la force d'hier pour prêcher le parfait mode de vie aujourd'hui. Tout est vanité. Mais il y a un seul meilleur endroit. Le paradis. À prendre ou à laisser. Pour vous, humains qui jugeaient sans savoir le poids de la vie sur nos cœurs ou nos choix. Dites-moi, quelle place je mérite? L'enfer ou le paradis? Tu sors le soir, promets-moi que tu reviendras me voir.